Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Avant de commencer cette vidéo sur petite boîte qu'on a reçue, n'oubliez pas de vous abonner. Non, je sais jamais où c'est là. Enfin, vous démerdez quoi, vous savez où faut appuyer. Et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et puis, avec machin à attendre, on va s'amuser à ouvrir cette petite boîte Kawaii Box. Kawaii, on verra bien. Donc, allez, c'est parti, suivez-nous. T'es prête à ouvrir ce petit truc Oui, je suis tellement curieuse. Je suis curieux, voilà. On voit beaucoup de vidéos sur les trucs Kawaii Box qui a l'air d'être mignon tout plein. Effectivement, sur le site, il y a des trucs sympas. Mais quand j'ai reçu la petite boîte, je trouve un petit peu petit pour le prix. Assez surpris niveau taille. Voilà. Ça n'en est rien contenu. Non, hein, peut-être que contenu est génial. Voilà, et peut-être la prochaine qu'on va recevoir, elle sera le double. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a un lago d'or à l'intérieur, qui sait. Peut-être. Ça nous arrangerait bien. Donc, si jamais en lien, on vous mettra le lien pour le site. Mm-hmm. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire plaisir d'avoir des petits trucs kawaii, hein, voilà. On va déballer pour voir ce qu'il y a de beau dedans, hein. Bon. Alors. Bon, déjà, ça se présente. C'est très kawaii, girly. Ah, c'est vrai, kawaii, c'est tout rose, c'est tout mimi. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà? Un petit... Free Shipping Worldwide. C'est pour une pub pour un autre site qui s'appelle Blippo.com. Nous ne savons pas ce que c'est, mais nous irons faire un tour. Qui sait? Ah, c'est pour des face masques kawaii. Alors, c'est cette pour période, des... c'est pour des petits masques. Voilà, tout okay. Le monde fait son petit business de masques. Et là, ils proposent apparemment des masques kawaii. Donc, on ira voir après. Ensuite, nous avons un autre petit... La sécu, il est quoi? Ouais, c'est Sweet Sakura pour pique-nique. Effectivement, parce que là, c'est la période des fleurs de cerisier au Japon. Donc, vraiment. Après, voilà, il y a un autre petit fascicule. C'est comme ça. Vous avez ça dedans aussi. Enfin, voilà. On verra bien. Puis maintenant, on va déballer notre chair box. Effectivement. Comment dire? Pour le prix. Non. Pour ma part, je trouve ça un peu du foutage de gueule. Ouais, là, on s'est fait un peu avoir. Hein? Par contre, on va sortir notre boule de poil. Il a le droit de voir aussi à quel point on s'est fait avoir. Là, c'est seulement parce qu'il y a tout qui bouge. C'est pas grave. Bon, on commence quoi par ça? Moi, je dirais qu'on commence par le plus gros, là. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, le premier objet que nous avons, c'est ça, dedans. Ça doit être une gourde. Oui. Une gourde. Ça a l'air d'être une gourde. On va quand même l'ouvrir pour voir. Ça, c'est pas perdu. Hein. Moi, je une gourde. Une gourde. Bon, allez. C'est vrai qu'elle est super kawaii. Ça risque de pas faire très sérieux au boulot, mais... C'est pas mal. Il y a un petit truc... Je sais pas pour moi. C'est un petit machin que vous avez dedans comme ça, là. Mmh. Allez, voilà, espérons que ça passe. Avec des petits personnages tout chibis. Voilà, il y a plein de petits persos. Vous avez la petite partie ouverture. Non, c'est... Bah, ça reste une petite gourde. C'est quand même fermé. Ça a l'air d'être hermétique. Enfin, voilà, c'est... Voilà. C'est une gourde. C'est une gourde. Voilà, il n'y a rien de... Voilà. Ensuite... On met du liquide dedans. C'est pour moi. Bon, oui, parce que madame adore tout ce qui est papeterie. Je suis une grande fan de papeterie. Voilà. On peut couper avec des crayons. Donc, nous avons encore un petit stylo avec une espèce de petit... c'est lourd. Si ça bouge pas trop, mais le problème, c'est que ça... Voilà. Je sais pas trop ce que c'est comme petit personnage. Un petit charme. Ouais, attends. C'est une espèce de petit lapin avec des grandes oreilles. Là, c'est... Là, je vais essayer de vous montrer plus près pour voir. Voilà. Vous avez ceci dedans avec... le stylo, hein. Enfin... Est-ce que le stylo fonctionne? Je pense qu'il Est verrouillé, oui. Il est verrouillé, ils ont mis un petit truc dessus, donc... Il doit être... Et ici, c'est des crayons gris. C'est bonbon grillon. Bonbon grillon. Voilà. Après, ça reste vraiment... C'est kawaii, parce que... Voilà la tronche des petits crayons aussi. Là, comme vous pouvez voir, ils sont vraiment, c'est tout rose, estampillé. Enfin, je vais mettre à l'endroit, ça sera peut-être même mieux, comme ça, vous pourrez y voir comme il faut. Voilà. Bon, ça, pour moi, c'est pas perdu. Là. Non, c'est dire, mon amour pour les stylos et les crayons. Non, parce que je veux dire, voilà, des crayons, c'est utilisable, un stylo aussi, voilà. Après, nous avons une petite pluche. Une petite pluchie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un petit peu, je pense que ça doit être un petit Shiba Inu.
C'est qui font très fureur, hein. C'est des chiens, customisés, et tout rose, avec un petit truc sur la tête. Ça, ça doit être certainement des... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Si vous avez le nom, n'hésitez pas, sur la tête. Je sais plus. Non, bon, au moins il est... Voyez, en plus, il est... au moins il est tout doux. Voici la petite tronche du petit... la petite pupluche. Bon, elle est sympa, il n'y a rien à la... Le seul truc, c'est que ça fait la netteté juste ailleurs, mais pas sur la pluche, en fait. Donc, tant pis pour vous. Hein. Non, bah, ouais. Voilà, ça a zoomé cette fois sur la pluche. Voilà. Ah, c'est moi qui fous. Ouais, mais c'est nous, parce que, voilà. Donc, elle est mignonne, il n'y a rien à dire. Elle est toute rose, en plus. Bah, oui, bah... Mais voilà, c'est une petite pluche. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va prendre ça. Nous avons un lot de stickers. Là, et ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est plutôt des espèces de... Ah, mais c'est pour le téléphone. Ça, tu peux décorer, en fait, ton téléphone avec plein de petits strass. Voilà, c'est des strass, en fait, des strass autocollants. Ils mettent derrière, quoi, tu peux y mettre sur ton téléphone, ou bien coller dans des livres, ou sur des couvertures. Ça, c'est peut-être la même chose. Décorer, ouais. Oui, je pense aussi. Cutie Girl, ça s'appelle. Si au cas où, avec tout ce rose, toutes ces effusions de mignonitude, on n'aurait pas compris, c'est quand même précisé Cutie Girl. Ouais, au cas où. Hein. Au cas où, on n'aurait pas deviné. Alors, j'ai montré. Les stéréotypes, hein, ça, c'est les petits strass qu'il y a eu dedans qu'on a reçu. Voilà. Où vous avez le petit truc, hein. Puis ceci dit, moi je sais qu'est-ce que je vais en faire, hein, étant une amatrice de cahiers à remplir. Après, vous avez d'autres sticks comme ça. Ça fait un petit peu contre-jour, mais voilà. Ouais, c'est un peu délicat, un peu, surtout que c'est très 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 brillant. Ouais, avec la... Non, même les autocollants eux-mêmes sont brillants, donc c'est difficile à voir, mais bon, c'est des petits lapins avec des cerises, des petits arc-en-ciel, des petits cupcakes aussi, enfin voilà quoi. Tout mignon, tout joli. Ensuite, après, nous avons ceci. Du tape. À mon avis, c'est du scotch, ouais. Oui, c'est des scotch un peu décoratifs que tu peux mettre justement dans les cahiers, donc tu décores les bordures, tu peux décorer plein de choses. Ça aussi, je saurais quoi en faire, hein, au final. Moi, je saurais quoi faire de toi, par contre, faut faire gaffe, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est presque à l'état d'échantillon, malheureusement. Alors, ils te vendent ça hyper large. Alors, ils vous donnent un scotch comme ça. Tu dis c'est gros, et en fait, c'est vide. Après, voilà, le problème que je trouve, c'est que ça bouge beaucoup dedans. Non, c'est pas un problème. Le problème réside en fait... Par exemple, c'est bien épais. Mais quand on regarde, c'est pas très fourni. Non. Bon, c'est joli. Ça, d'un coup, pour faire des paquets cadeaux, ça peut être sympa oui, aussi. Pour décorer un paquet cadeau, ça peut le faire. Je suis pas sûr qu'il y en ait assez. Ou alors, c'est un très petit paquet cadeau. Après, là, celui-là, c'est un gros, celui-là. Mais celui-là aussi, c'est le même. Ouais, après, vous en avez un qui est beaucoup plus large. Décoré avec de la nourriture. Il y en a un qui est petit, voilà. Effectivement, un, c'est de la nourriture. L'autre, c'est aussi de la nourriture. C'est que de la nourriture. Voilà. La nourriture est très carrée. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est très rose, hein. Faut aimer le rose. Voilà. Donc ben, il nous reste plus qu'un seul article dans cette boîte. Voilà. Qui est un petit sachet triangulaire, tout mimi, voilà. Tu n'avais pas un deuxième? Non, non. Ah. Non, non, c'est tout ce qui reste. J'étais sûre que tu avais un deuxième. Donc, attends, je vais déjà remettre ça dedans. Ouais. Là. Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on a? À mon avis, c'est des petites friandises. Regarde. Oui, ça ressemble à des maltesers, en fait. Selon la... La tronche que ça a. L'image qu'il y a dessus, ça ressemble un petit peu à des... On a reçu ceci encore qui est avec. Bon, on va ouvrir celui-là pour voir... Tu veux directement goûter, c'est ça? Bah oui, parce que... Pas forcément, mais c'est le seul truc, on va dire, comestible qu'il y a dedans, donc... Ah non, je suis pas d'accord. Ouais. Ah, il y en a quand même plusieurs. Non, alors il y a quand même des petits. Alors quand vous ouvrez le petit, attention parce que ça fout le camp dans tous les sens, mais. Ça tendrait presque à ce qu'il y en ait. Voilà, il y en a quand même quelques-uns dedans. Bon, par contre, ils sont pas roses. Bah attends, on n'a pas vu l'intérieur. S'ils auraient pu faire style kawaii et que ça soit tout rose. Hein. Non, mais attends, ça sent bon. En fait, c'est une cacahuète. En fait, ça a un peu un M&M's.
Sans M&M's, mais... Mais sans le M et sans la couleur. Et je trouve que dedans, ils sont... En fait, il y a une croûte chocolat. Oui, la cacahuète à l'intérieur. Et cacahuète à l'intérieur, mais c'est pas englobé comme les autres. Bah si, mais... Ouais. Bon, il n'y a rien de... Ouais, rien de transcendant, mais c'est comestible. Voilà, ouais. Bah, mis à part ça, je suis quand même un peu déçu de cette première kawaii. Carrément, ouais. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur les kawaii box où ils avaient, certains, ils avaient des trucs sympas. Alors, voir si on n'a pas eu de chance ou bien si on l'a commandé peut-être sur le mauvais site. Non. On est vraiment sur le bon site, c'est bien, chez kawaii box. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce truc, je trouve, pour l'instant, en tout cas sur cette première box, c'est cher pour ce qu'il y a dedans. Oui, sur celle-là, pour la quantité. Ouais. On verra. On a encore une ou deux qui vont arriver, donc on verra bien. Il y a deux, trois trucs sympas. Après, c'est pas... D'abord, je suis à moitié satisfaite, étant donné qu'il y a beaucoup de trucs de papeterie. Voilà. Non, c'est dire, je pense que pour tout ce qui est enfant, ça passera mieux que pour des personnes, pour des adultes. Parce que ça, bon, tout le monde peut s'amuser à décorer des téléphones et machin. Après, c'est peut-être plus pour madame que pour moi, dans la kawaii, ça s'excuse. Ah bah oui, je suis désolé. C'est pas parce que c'est rose que c'est forcément... Mais moi, je me vois pas mettre des petites strass comme ça sur mon téléphone. Oh, le téléphone de chantier. Oui, voilà. Donc voilà. Bon, aussi... Bah, sur la perceuse. Oui, sur la perceuse avec des petites strass. Elle est la perceuse. Non, elle est au travail, c'est con. Je suis navré. Il y a son... Non, là, non, désolé. Dans le fourgon. Non, il y avait rien, c'est tout au travail. Il y a des outils dans le fourgon. Non, c'est vide. Menteur. Non, j'ai rien. Il y a vraiment tout au boulot. Voilà. Bon, on verra bien. Si, elle est quand même sympathique, il y a 2-3 trucs sympas. C'est pas ma préférée. On a ouvert déjà 2-3 box qui étaient pour moi nettement plus cool. Moi j'ai ouvert que 2 box avec toi. Mais voilà, mais pour les autres que j'ai ouvert, de ce que j'ai pu déjà commander, il y en a qui étaient un peu plus fournis ou un peu plus sympathiques. A voir la prochaine, ça c'est la première de chez Kawaii qu'on a. Il y a 2-3 trucs sympas, à voir là les autres. Oui, il y en a une deuxième qui est en route, qui a été directement commandée. On va lui laisser une deuxième chance. Donc, voilà. On se dit, on est tombé sur un mauvais mois. C'est la crise pour tout le monde, peut-être que... C'est ça, peut-être que la prochaine ça sera le double où il y a beaucoup plus de choses, puis on sera nettement plus surpris. Encore, la quantité, moi ça me dérange pas, enfin la grosseur, après il faut voir ce qu'il y a dedans. C'est clair que si la prochaine, on a de nouveau 15 tonnes de stickers, un porte-clé et demi. Bah on verra bien. On va peut-être faire un petit peu la gueule cette fois. Ça sera surprise. Mais je veux dire, il y a tellement d'autres choses qui pourraient être... C'est ça. Après voilà... Surtout sur le site, ils te vendent vraiment... Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choix, et là, ils sont seulement traités de thèmes, ouais, papeterie et tout ça. Voilà, donc on verra. C'est un peu dommage. Peut-être que la prochaine, on sera surpris, parce que... Bon... Quand tu regardes tous les commentaires, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment positives. Pourtant, c'est des très bonnes box. Donc peut-être que pour nous, celle-là nous plaît pas trop. Peut-être que la prochaine, elle sera excellente. Encore une fois, c'est subjectif. C'est subjectif. Ça n'engage que nous. Voilà, c'est à chaque personne. Ça, c'est mon avis. C'est l'avis à madame. Chacun a son avis. Puis bon, on verra bien la prochaine. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite découverte box vous a plu. Nous, c'était sympathique quand même. Hein, parce que c'est une petite boîte qu'on découvre. C'est rigolo. C'est toujours sympa de découvrir des trucs. Voilà, c'est ça. Donc, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. We'll be right back.